Oh my God. Oh yeah. Et bonjour à tous, c'est Zanor, retournons pour l'épisode 6 de mon let's play de mon aventure sur Minecraft. Et donc comme vous avez pu voir dans la petite vidéo précédente, je suis parti miner. Je ne sais pas si je vais les mettre, mais normalement oui. J'ai enchanté pas mal. J'ai fusionné celle-ci et j'ai tout ça. Bon, ça fait beaucoup, je suis d'accord. Mais vu ce que j'ai récupéré, c'est pas mal aussi non plus. Donc je me suis dit, pourquoi pas installer un nouveau mode. Et donc j'ai choisi le mode, si je ne me trompe pas, c'est Iron Chest, qui permet de d'avoir. Bon, je suis inactif dans le système, mais je n'ai pas les cheats comme vous pouvez le voir là, donc qui permet de créer différents coffres. Donc nous on pourra créer les iron, les gold, les diamonds et aussi les cristals. Mais le problème c'est que les silver et les copper vont avec un autre mode que je n'aurai normalement pas. Et j'ai donc si je fais un clic gauche, je vois comment créer l'objet. Sinon je fais un clic droit, par exemple sur le diamant, je vois comment je peux l'utiliser. Je vais vous montrer un exemple plus sûr. Voilà, l'arc. Avec l'arc, je le crée comme ça, mais il peut me servir à ça. Si je fais avec le point d'interrogation, ça permet d'aller dans la table de craft pour pouvoir le faire. Et donc, nous, aujourd'hui, nous allons peut-être upgrade. Non, on va laisser d'abord comme ça. On va faire ça dans notre épisode. Donc, je suis aussi niveau 33 grâce au minage. Ici, j'ai tout. Bah, j'en ai encore dans les fours, tiens, allons les récupérer. Ça nous donnera toujours un peu de niveau supplémentaire. Hop, 48, 48, 48, 48. Voilà, donc normalement j'aurais rajouté au fur et à mesure des mods qui me permettront de me faciliter pas mal la vie. Surtout des mods, je pense que je vais partir du côté d'Industrial Craft et de... comment ça s'appelle? Industrial Craft et de Build Craft. Donc ici dans ma truc, dans ma cobertouille, j'ai rajouté ça, qui permet de pousser la cobble vers le haut, que je vais faire rabattre à chaque fois que je vais faire détruire. Aïe, ça fait mal. Par contre, si vous avez des idées pour faire spawner des poulpes, j'en ai eu 3 mais j'ai plus rien depuis à part ça où j'utiliserai très très peu normalement. J'en ai aucun moyen, donc si vous en avez, prévenez-moi. Donc j'ai aussi un peu récolté ici, j'ai fait reproduire les vaches, surtout le minage et l'enchantement que j'ai fait. Donc aujourd'hui nous allons, comme j'ai marqué dans le descriptif de certaines vidéos, nous allons commencer par les objectifs. Pour faire les objectifs, il va me falloir que je vais créer moi-même, hein, j'ai décidé. Que je crée. Donc il faut déjà du bois. Ouais. Je n'ai pas de barrière qui traîne. Non, donc je vais faire ça. Donc je vais faire un panneau à objectifs. Énormément d'objectifs que je vais devoir faire pour ici, et en particulier ceux avec les enchantements. Je vais me permettre avec certains objectifs de me, pas de me giver, mais de me aussi de me giver comme récompense de réussite certains outils, puisque certains... Donc excusez-moi pour l'ellipse. Donc je disais que tous les objectifs, ça, pas, en tout cas pas mal d'objectifs vont me permettre d'avoir des objets particuliers, comme par exemple, on va prendre un exemple concret. Je vais d'abord faire ça, je vais vous le dire juste après. Donc ça sera par exemple, bon, on va déjà commencer, on va le mettre où, on va le mettre enfin endroit où il n'y a pas de lave de préférence. Voilà, on va le mettre là. Donc aussi décoration, n'oublions pas, la décoration est toujours parfaite. Je vais transformer ça en planche et je vais me... What? C'est un peu haut ça. Hop. On va faire ça à peu près de chaque côté. Hop, 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 tac, tac. Voilà,
ça va aller un peu plus vite. Ah! Reconfiguration des touches, ça m'emmerde personnellement. Ouais, c'est ça. Ouais, il faudra que je reconfigure les cours. Tiens, je vais faire ça. Reconfiguration des touches, c'était là. Logiquement, sans être chi sneak, c'est ça. Voilà. Bon, ça c'est grand. Donc, nous allons déjà commencer par aller chercher quelque chose que j'ai oublié. Bon, bizarrement, ce bloc, il a pas. Je pensais l'avoir cassé. Bon, un peu d'XP, c'est toujours bon à prendre. Voilà. Donc, on va se faire. Ah, ça vient de terminer. Va se faire des panneaux pour pouvoir afficher dessus. Et je crois que j'ai fait une connerie. Tout à fait, mon cher. Hop. On va déjà prendre avec ça, on verra bien ce que ça va donner après. Donc on va replanter les deux arbres. Hop, ça c'est fait, on n'en parle plus. Bon, je décorerai plus tard parce que là ça m'a pris. Donc on va mettre... Donc l'objectif 1, ça va être... Comment on va dire ça? Fortification. Fortification. Du village. Donc ça sera la quête numéro 1. Donc qu'est-ce que j'aurais faire? Je devrais donc déjà nettoyer le village. Nettoyer, ça doit être ça. Bon, si je fais des erreurs, je vais essayer. Nettoyer le village. Donc ça va être de... Nettoyer le village, ça va être leur... Bah, en tout cas, c'est le village qui sera là-bas qu'on va faire l'énorme village, sinon ça va pas être marrant. Donc ça sera de d'enlever le mineshaft qui traverse en plein milieu, et ça va être aussi même de le redécorer. Nettoyer le village, ça va être aussi redécoré. Redécorer donc le creeper, le truc avec un creeper, ça va être remis à refait. Les routes sont un peu mieux faites, tout ça. On devra faire une muraille. Une muraille, bon après la hauteur, mais surtout un levier. Le levier, ça doit se faire comme ça. Un pont, un pont. Ouais, bref, je retrouverai l'orthographe plus tard. Et pont-levis et aussi une grille qu'on fera avec des pistons et tout ça. Donc ça, c'est l'objectif 1. Ce sera le plus... Je pense que ce sera le plus gros objectif qu'on fera. Ensuite, il y a l'objectif 2 qui est... J'ai pas de nom particulier. Si. Comment s'écrit? Ouais, voilà. Voyage entre les dimensions. Voilà, voyage entre les dimensions. Donc on devra faire le Nether. L'End. Et donc l'End, ça signifie aussi Battle Under Dragon. Attends, je vais mettre ça entièrement comme il faut. L'End et le dragon. Donc là on n'ira pas tout de suite, même le même comment dire. Même le Nether, on n'ira pas tout de suite, puisque là on a encore beaucoup de travail. Donc ça, c'est le plus gros. Ensuite, on aura les différentes dimensions, donc obligations. On aura la, on va appeler ça la ferme à Chocobo. Donc ce que je vais faire, bon, dès que donc le ça c'est le début, ce sera la ferme, on aura la ferme à Chocobo qui seront là derrière, qui sera quasiment la même que dans le jeu Final Fantasy VII. Que je vous laisse, que je ferai peut-être un display dessus, mais je vous laisserai quand même aller voir par vous-même à quoi elle ressemble. Sinon, je vous la montre. Je vais essayer d'avancer. Non, même pas. Si j'avance dans le jeu, ça va être assez long. Je vois. Je vous la montrerai peut-être dans une autre vidéo. On verra bien. Donc la ferme à Chocobo. Donc c'est la maison et la grange. Il y a même Dark Eagle qui m'a dit t'es totalement fou de faire ça. C'est pas possible. Tu n'y arriveras pas. Je lui montrerai que si. Donc ensuite il y aura l'objectif les états l'archer. Ça sera l'un de nos objectifs.
actif. Vous êtes à l'archer. Le deuxième, c'est Starhold le guerrier. Ah, je peux pas. Donc on va descendre. Le guerrier. On va se mettre... Bah bref, on va mettre comme ça. Guerrier et... mettre Cédric. Pourquoi je me trompe dans l'orthographe, sinon ça va pas aller. Cédric le mineur. Donc ça sera les, comment dire, les trois objectifs d'enchantement. Zeta l'archer, ça va être de faire le meilleur enchantement possible sur l'arc que j'ai déjà commencé. Donc il me manque encore flamme 1, frappe 2 et 1 infinity. Starhold le guerrier, ça t'offre l'épée la plus puissante avec looting 3, tranchant 5. Après c'était quoi? Aura de feu 2, je crois, ou ça va jusqu'à 1. Je sais plus, il faut que je voie. Et recul 2. En sachant que pour celui de Cédric le mineur, j'ai quasi terminé, il me reste plus qu'à diminuer au maximum. Grâce à faire ma cobble, ça ira rapidement et d'avoir pour fusionner. Mais on va y mettre une condition pour que il soit entièrement rempli. On va devoir comment dire, on va devoir avoir les armes avec la durabilité max. Donc ça veut dire qu'on sera au maximum, on va être au maximum pour tout. Est-ce que j'ai d'autres idées? Donc on va, tiens, on va ajouter ici dans la ferme à Chocobo, on doit faire aussi une salle des coffres. On doit trouver une solution pour la mettre. Il faudra, je pense que je vais faire dans une montagne avec une cascade qui tombe et ouvrir un portail pour descendre. Mais ce qui m'embête le plus, c'est qu'on a quasi rien en dessous niveau couche, donc il faudra que j'essaie de gérer comme je peux. Ensuite, il y a aussi le dojo. Ça sera là où il y aura toutes les armes, mais avec une condition supplémentaire. Ah zut, j'ai déjà plus de panneaux que je vais m'imposer. Comme j'ai le mode Iron Chest, chaque armure devra être mise dans le coffre qui correspond. Ouh là là. Tiens, j'ai perdu quelqu'un. Bizarrement, je crois savoir qui. Donc, je vais vous montrer exactement. Avec l'Iron Chest, dans le chest normal, on aura la tenue en cuir. Dans l'Iron Chest, on aura tout en cuir, en gold. Pour la Gold Chest et Diamond Chest, on aura tous les trucs en diamant. Et pour le Crystal Chest, on va le devoir le mettre. On doit mettre les armes qu'on a créées là. Je pourrais les utiliser comme je voudrais, mais il faudrait que je. Ensuite, la nuit. Il faudra effectivement que je mette dans le Crystal Chest en plein milieu de la salle. Sinon, je gérerai pour la décoration. Pour l'instant, bah, je peux encore ajouter des trucs déco. Il y aura encore le château dans le Nether, un truc dans l'End. Système Redstone, qu'est-ce que j'ai pas encore d'idée. Après, ce sera en fonction aussi des modes que je vais rajouter. Et là, ça va surtout influencer le dojo, mais ça peut activer aussi influencer autre chose. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, j'avais prévu pas grand-chose en fait pour cet épisode. Je ne vais pas dans un mineshaft la nuit, sinon ça va pas aller. Surtout, je ne sais pas à combien de temps de vidéo je suis, donc on va plutôt éviter. Je vais faire quoi? Alors, j'ai. Quelle possibilité j'ai? Je vais pas vous montrer comment je mine, sinon ça va pas aller. Qu'est-ce que je peux bien vous montrer? Bah, voilà, on va faire ça. On va faire ça. On va faire les upgrades. Donc là, c'est pour transformer le fer. Dépasser du fer en or. Donc il me faut du fer et de l'or. Du fer et de l'or. Voilà. Donc dans la table de craft, je vais mettre le fer au milieu. Comme m'a montré notre item. Et l'or autour. Ça m'a fait un upgrade chest or. Et par contre, je ne sais pas comment l'utiliser. Ah voilà, un clic droit. Donc c'est passé d'un coffre en iron à un coffre en or. Donc maintenant on va essayer d'aller au coffre en diamant. Donc le diamant, voilà, c'est clic gauche. Il me faut du verre, mais je n'ai pas grand chose à ce niveau-là.
On va laisser le gold chess pour l'instant, puisque je n'ai pas créé mon générateur, et ça sera dans l'épisode suivant. Donc, araignée en vue, maison tout de suite. Donc, attends, je vais voir ça, hop. Je vais vous montrer pourquoi. En fait, voilà. Là, on a Unbreaking 10, efficacité, efficacité 4, et là, on a efficacité 4 et fortune 3. Si j'arrive à fusionner les deux là, j'aurai réussi le défi Cédric le mineur. Sauf que, voilà, trop cher. Il faut que je le descende au minimum. Celui-là, mais ça va être vachement compliqué à cause d'un breaking. Et comme ça, je pourrais peut-être les fusionner. Ça sera, ça c'est fait. Zeta l'archer, voilà, c'est là où j'en suis. Pas énorme, hein, Power 1. Power 5. Ici, Sharpness 3. No bag de Fire Aspect. Il me manque un peu de. Bon, là il me manque quoi? Looting et. Non, c'est pas looting. Si, c'est looting. Ça doit être ça. Oui, c'est vrai que c'est pioche et fortune. Et là il me manque juste. Il me manque. Faut que je commence en Sharpness 5. Et quand j'aurai Sharpness 5 et Looting 3. Oui, c'est bien looting. Attendez. Oui, ça... looting 3, ça sera bon. Ouais. Bon, voilà. Je vais voir, attendez voir. Bunny, ça je n'ai pas envie. Le poulet, je peux, je pense. Lava, j'ai pas envie. Le creeper, un peu cher. Ah bah voilà. On va faire ça. On va faire. Il faut déjà qu'on fasse du. Il faut du cuir. Donc, on en a qu'un. Oh shit. Zeta will be death. Ah oui, on va faire aussi un objectif. Et merde, esquive, esquive, esquive. Yop, par là. Ça n'arrive. Bon, étant donné qu'il est bien fort. Ça s'est fait. Donc, qu'est-ce que je vous disais maintenant? Oui. On va prendre Sharpness. Allez hop, ça ira plus vite. Tout cas, il faut les utiliser. On va à l'accès. De toute façon, il faudra que je décore toute cette zone-là. Et ça, c'est pas fini. Il me faut la glowstone pour. Putain. Voilà. Ça c'est réglé. Ah, putain, on avait besoin de la ficelle pour faire. Je vais tuer un peu de mobs. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. J'en ai combien? 3, c'est parfait, j'ai ce que je voulais. Hop. Au revoir. Par contre, je vais pas trop me prendre la tête, parce que sinon je risque de mourir. Alors, juste une petite question. Est-ce que j'ai un vague doute pour créer un fossé... non, c'est ça. Il me faut du coal. Est-ce que ça marche avec du charcoal? Si ça marche pas... ça va être un peu... Ah, ça marche pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un sacrifice, on va faire comme ça. Parce que je ne peux... Si je veux faire le dinosaure, il me faut impérativement du charcoal. Donc, je vais sacrifier... Bon, il commence à me casser les buvants, celui-là. Voilà. C'est bug. Donc on va devoir donc passer de l'un à l'autre. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va déjà cuire ça. Est-ce que j'ai... Non, j'ai pas ça. Wait, what? Alors, comment... Attends, comment... Ah! Ouais, ça, c'était pas prévu au programme. En fait, il m'en faut bien plus de cuir. Oh shit. Bon. J'espère que vous êtes tous avec moi. Étant donné qu'il me faut du looting, on va y aller. C'est fait. Prends ma flèche.
Déjà? Lâcheur. Ah, ça va être excellent. On va. Alors. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, est-ce qu'on va tenter le looting? En sachant qu'on peut débloquer tout ça. Oui, on va plutôt essayer le looting. Looting 2. Ça, c'est. Alors, il faut que j'augmente le looting et le sharpness. Donc, je vais fusionner les deux épées là, ensemble, si je peux. Sinon, on verra bien. On va. Par contre, ça va être short de taper l'araignée. C'est bon. Alors, j'en ai 7. Aïe, ça va pas aller. Ils se mettent à tuer, mais on a cette sting. Voilà. Bah, allez, hop. C'est la nuit. Eh, fumier, viens me chercher. Elle vient, approche. Allez. Oui. Combien? Une ou deux? Ou trois même. Ouh là là, ça. On va pas demander mieux. Alors, je suis déjà à un haut niveau. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est pas la fin. Ah, ça va être la fin de l'épisode. Donc, nous avons un ender. Nous avons ça qui est bien. Wow, voilà, mettre. Ouais, c'est presque parfait, mais il manque le looting 3. Looting 3 et le sharpness, je dois l'améliorer. Ça dépend en fait. Je suis sûr que c'est trop cher si je veux le fusionner les deux ensemble. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Too expensive. Donc, si je ne peux pas les fusionner, ce que je vais faire, c'est que je me recrée une épée. Il a sacrifié pour pouvoir fusionner moi-même grâce à je ne sais trop quoi. Bref, dans tous les cas, ça va valoir cher de faire tout ça. La chauve-souris, qu'est-ce qu'il faut? Vision nocturne, je me disais bien, ça va pas être possible. Les silverfish, je n'ai pas envie. Chocobo, voilà ce qu'il fallait. Ouh, un loup. Après, je peux faire. Ah si, je vais faire aussi un. Bon, les poches d'encre, celui-là qui me trouve, il me. Je sais pas, je peux lui faire un gros câlin non plus. Ça, le renne, ça va être un peu emmerdant. Les cochons, je. Ah, notch. Ça, je le fais pas parce qu'il est bugué. Celui-là, je n'ai pas envie. Le gas, encore moins. Parce qu'il peut quitter. Le dragon, je vais le faire. Les Endermen, peu de chance. Celui-là, j'aimerais faire. Je vais voir comment je vais me débrouiller parce que je ne peux pas transformer le charcoal en coal. Donc je verrai ça. Et donc nous verrons ça dans le prochain épisode. Et je n'ai une arme sur moi. Si j'ai une arme sur moi. Voilà. Et nous verrons ça dans un prochain épisode. Je rajouterai le défi là-dessus. Donc je vais rajouter, je vous ai tout expliqué. Donc je vous dis à la prochaine et à dans un prochain épisode. Ciao, bye bye.